Chers amis, bonjour. Je vais vous faire une vidéo ce soir au sujet de moi et de moi en tant qu'autrice. C'est au sujet du Salon du Livre de Pavie, dont évidemment je n'ai pas la date, mais c'est pas grave. Alors, il faut que ça fasse 3 minutes, autant vous dire que c'est un vrai challenge pour moi que d'essayer de faire aussi court. Donc je me suis fait quelques questions. Alors, je vais éviter de vous parler de chacun de mes ouvrages, je vais juste les citer, hein, c'est tout. Pourquoi j'écris ? Si on m'avait dit un jour, jusqu'à mes 40 ans, qu'un jour j'écrirais au point et que je serais à l'aise pour écrire au point d'être édité, franchement j'aurais ri. Jamais je l'aurais cru. Alors qu'est-ce qui a bien pu me donner une pareille idée ? Évidemment, celui qui me l'a soufflé au derrière, devinez qui c'est ? C'est Thomas Fersen, évidemment. Ah, il est très rusé pour ça. Dans un premier temps, ce qui se passe, c'est que j'ai commencé à lui écrire à un moment où j'allais extrêmement mal. Et j'allais voir le psy le jeudi après-midi et je lui écrivais le lendemain. Voilà. Mais je lui écrivais 10 pages recto verso. Donc, comme j'étais artiste moi aussi, je savais que il y avait deux solutions, soit ça l'emmerdait, soit ça ne l'emmerdait pas. Si ça ne l'emmerdait pas, ça pouvait que l'intéresser. Moi, de toute façon, il fallait que je trouve quelqu'un pour me lire. Hein. C'était ça l'important. Quelqu'un qui me lise, c'est tout ce que je cherchais et je ne cherchais rien de plus. Est-ce que j'aurais écrit à quelqu'un de beaucoup plus célèbre que lui ? Non, en fait, pas du tout. C'est comme ça. C'est sur lui que c'est tombé, il n'a pas de chance. Bon, c'est comme ça. Bref, toujours est-il que... comment dire ? J'ai entendu parler un jour à la radio sur France Inter que quelqu'un, à partir de 50 ans, avait sorti son premier bouquin. Et quelqu'un de commenter en disant « Ah ben comme quoi, c'est pas une question d'âge, on peut très bien s'y mettre à n'importe quel âge. » Effectivement, on peut très bien commencer à écrire à 80 ans ou 90 ans. Qu'est-ce que ça peut faire ? Franchement, qu'est-ce que ça peut faire ? Ce qui importe, en fait, c'est de se faire plaisir, hein, de répondre à une pulsion. C'est-à-dire, on a envie d'écrire, on écrit. Et puis voilà, alors il y a des gens qui s'appelaient pas. Eh ben c'est dommage pour eux. Ils ne savent pas après quoi. C'est vraiment dommage pour eux. Je dirais bien mieux, je compatis. Franchement. Hein. Moi, j'oblige personne. Hein. Je me fais plaisir d'abord. Voilà. Alors, je vais quand même vous citer mes livres. D'accord ? Mais je ne développe pas parce qu'autrement, ça va faire 3 heures la vidéo. Donc, c'est pas possible. Masculinisme. Addiction, prendre le mal à la racine. Parentalité. La poule aux œufs ne dort que d'un œil. La poule, c'est moi. Toxicité des livres sacrés. L'autorité, et à sortir prochainement sur le racisme, GAFAM, crevette et pêche à pied, où je développe un peu plus justement comment j'ai interagi avec Internet pour commencer à me mettre le pied à l'étrier. Parce que c'est un sacré avantage justement que de pouvoir, utiliser Internet pour trouver de l'assurance dans le fait d'écrire. Moi, on m'avait toujours dit, mais c'est pas bon ce que tu fais, enfin, tu fais plein de fautes, enfin bref, voilà. Et puis, j'ai commencé à écrire sur un blog, et puis en fait, il y a des gens qui venaient me lire, quoi. Et au fur et à mesure qu'il y avait de plus en plus de monde, je me suis dit, mais ça fait quand même beaucoup de cinglés, hein, quand même. Et voilà, et c'est comme ça que ça a commencé, en fait. Voilà. Bon, je suis à peu près dans les temps, hein. 3 minutes 28, je suis dans les temps.